Putain, il m'a tombé l'enfoiré quoi. Où est-ce qu'ils sont là, coquins? Hop! Oula 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 oula. J'ai l'impression de me retrouver dans Halo 2 avec des snipers IM bot à l'autre bout de la map. C'est par des petites zones hein, on va prendre notre temps. Maintenant ils savent où je suis. Derrière une vitre ou quoi? Non, c'est peut-être ça. Quel enfoiré celui-là. Il me reste combien de balles? Ah, j'ai fait le plein de snipe, ok, cool. C'est lui qui m'attaquait? C'est qui m'attaquait là? Ok, ça passe. Toi, le grunt, tu restes là-bas. On n'a plus de sniper. Hop, fusil sniper Covenant, c'est bon. Putain, j'ai peur de manger une balle au bout de la carte. Pas savoir d'où elle vient. Oh, c'est quoi ça? Merde, qu'est-ce que tu fais là? Ça faisait longtemps que je les ai pas vus. Il va falloir une autre arme par contre, parce que quand je suis tombé à court de munitions,
Il est où, il est où? Putain. Ah, j'ai plus de balles. Voilà, hop. Allez. Par contre, cette putain de couleur verte, c'est dégueulasse. En plein milieu de l'écran. Ils ont dû planquer des crânes, je pense, comme dans tous les Halo. Je l'ai pas encore cherché. Où est-ce qu'ils sont? Et merde. Putain. Ouais, 3 balles de snipe, c'est tout ce qui me reste. Hop, toi t'es mort. Allez, on enchaîne. Pas de pitié. Merde, il en reste encore. Putain, mais il y en a encore plein. Ah. Allez, il me reprend lui. J'ai déjà mangé 2 balles de snipe avant. J'ai plus d'armes. Allez hop, attaque commando. On disparaît. On recharge. Et on se prépare à la deuxième vague. Merde, j'ai pas vu qu'il y en avait autant de ces saloperies. Merde, t'es presque stocké lui. Il va falloir que je réfléchisse à un plan d'action qui fonctionne, hein, parce que là ça n'a pas fonctionné ce que je fais. Voilà, c'est un nul aussi, putain! Mais c'est quoi ce pistolet? Sans déconner! Et d'un. Les mecs sont censés être les plus avancés de la galaxie. Et ils ont des armes qui tirent des ballons mousse quoi. Un foiré quoi. Allez. Oh là là, elle se baisse trop vite ma barre de...
m'avoir, il va m'avoir, il va m'avoir. Non, j'ai eu. Waouh, est-ce que je suis à le piller? Putain, il m'a fait trop peur à bondir comme ça. Surgir de n'importe où. Il avait quoi comme arme? Ok. Et ça m'a mis d'une arme comme ça. Je pourrais attaquer de loin. Oh, je l'ai eu. Putain, mais ils arrivent tout le temps. Il va falloir que je fonce dans la porte, hein. S'enfuir par là. Hein. Nous pénétrons dans la structure, voilà. Ma tourelle va s'occuper du reste normalement. J'espère. En tout cas, qu'elle s'occupera au moins d'un un petit truc. Coordonnées reçues, mais la transmission n'est pas bonne. C'est moins qu'on puisse dire, ouais. La transmission n'est pas bonne. Vous êtes gentil, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'elles font les sentinelles? Cet ascenseur devrait le chemin directement aux coordonnées fournies par l'Infinity. C'est comme si les sentinelles voulaient qu'on détruise ces canons à particules. C'est peut-être un piège. Ah, vous dites ça comme si on avait l'embarras du choix. Ah ouais, je suis guidé par les sentinelles, c'est cool, merci. On a atteint les coordonnées. On dirait bien que c'est là. Doivent certainement servir au ciblage et au guidage des canons à particules. C'est un système. Techniquement, je ne devrais pas pouvoir rediriger ces canons. Wow. Techniquement. Les générateurs sont désactivés. Ça donne quoi là-haut? Infinity? Cortana. Il y a quelque chose. Major! Cortana. Cortana. Merde. Elle est partie où? Où est donc partie Cortana? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je suis ce qui reste du Forerunner, que l'on nommait bibliothécaire. Mes souvenirs ont été gardés afin d'aider l'humanité,
sur la voie du manteau. Mais ce plan est hélas en péril. Le didacte va quitter le Requiem. Très bientôt, vous devez l'en empêcher. Il part. Il cherche ceci. Le recomposeur. Un appareil qui lui permettra de contenir la plus grande menace jamais rencontrée par les Forerunners. Vous. L'homme a conquis les étoiles avec une force totalement inattendue. Des systèmes entiers sont tombés avant que les serviteurs du didacte ne mettent un terme à cette agression. Lorsque le didacte parvint à arrêter l'humanité après un millénaire, la sentence fut sévère. Nous ne pouvions pas savoir que les Forerunners n'étaient pas votre seul ennemi. L'humanité ne se développait pas. Elle s'enfuyait. Affaiblis par ce conflit, nous n'étions plus de taille contre le parasite qui vous poursuivait. Les Forerunners élaborèrent des plans pour un dernier grand voyage. Mais le didacte refusa de renoncer au manteau de responsabilité. Pour sauver la vie dans la galaxie, il en paierait le prix. Les Forerunners souhaitaient utiliser le recomposeur, un instrument qui permettrait de transcender le fossé entre sphère organique et numérique. On serait devenu immortel. Pendant un temps, nous l'avons cru, mais ce fut un échec. Les personnalités conservées se fragmentèrent, et nos tentatives de revenir à notre état biologique ne créèrent que des abominations. Ces considérations morales échappèrent complètement au didacte. Le parasite n'assimilait que les tissus vivants. Le recomposeur offrait au didacte une solution, et sa revanche. Les Prométhéens. Ils sont humains. Il n'était que la première étape. Il aurait encodé toute votre race, si vous ne lui aviez pas retiré le recomposeur et ne l'aviez pas emprisonné ici. Dépositaire, lorsque j'ai indexé l'humanité en vue du repeuplement, j'ai dissimulé des germes. Des germes qui engendreraient une potentialité. Votre évolution physique. Votre tenue de combat. Même votre coéquipière Cortana. Vous êtes le fruit d'un millier de vies de planification. Pourquoi faire ? Il nous a trouvés. Même morte, elle s'insinue partout. Dépositaire, le jeune échant qui est en vous renferme de nombreux présents, dont l'immunité contre le recomposeur. Cependant, il faut l'activer. Comment ? Cessez tout contact immédiatement. Vous devez avancer sur le chemin de l'évolution. Est-ce que je peux vaincre le didacte sans ça ? Non. Alors allons-y. Préparez-vous. Sur le chemin de l'évolution. Wow. C'est quoi ce nouveau scénario pour les Halo ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on sort d'ici ? L'ascenseur au fond de la salle.
pas passé loin celle-là. Hein. Hop, on continue notre progression. Par contre, le jeu, je trouve pas très difficile, hein, parce que là, je suis en troisième mode de difficulté. Je pensais plus galérer que ça, à vrai dire. Je verrai en légendaire, quand je le ferai en légendaire, s'il est vraiment beaucoup plus dur en légendaire. Mais là, je le trouve un peu facile, à vrai dire. Bon, je suis mort quelques fois, mais... Major, qu'est-ce qu'il y a eu ? Vos données vitales sont partout sur la carte. C'est une longue histoire, mais je sais ce que veut le didacte. Ça, je le sais. La bibliothécaire m'a tout expliqué en m'éjectant du système. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce qu'elle vous a fait à vous. Le portail, le portail. Ouf, est-ce que je suis là? Sierra 117 à Infinity, vous en êtes où? Il s'est dérouillé ici! Infinity peut tirer sur toute gravité. Négatif! Vous ne pourrez jamais nous verrouiller dessus avec tout ce vide! Capitaine, on pourrait désigner la cible avec l'indicateur laser. Faites-le, Tatum! Donnez au chef les coordonnées d'un site avec une vue dégagée! Ah la vache! Il est immense ce vaisseau! Oh là là. Suivez tous le major. Il ouvre la voie. Je sais pas où faut aller, suivez-moi pas. Je sais pas où faut aller, là je tourne en rond. Hein. Ok, ça c'est bon, c'est bon. Oh là là là, on défonce tout, allez, en avant les gars. C'est pas un pique-nique. C'est pas un pique-nique, on y va. Les deux, hein. Ouf. J'ai pris cher, là. Oh là là, je suis emmerdé de tous les côtés. Ok, je l'ai eu. Ça y est, j'ai mon scorpion qui commence à fumer. J'aurais dû avancer plus tôt. Aïe, 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 aïe. Je l'ai senti venir, quoi. La seconde d'hésitation était trop. Ouh, joli ce petit coup-là. Elles ont pas mal modifié les scorpions quand même. Hein. Ces impacts vont plus tout droit vraiment, les obus sont un poil plus lents. Voilà, on va rester en mouvement ce coup-ci, on va pas faire de bêtises. Et de 1. Et de 2. L'autre il est mort, nickel. Touché une fois, touché deux fois par l'autre, magnifique. Alors là franchement, l'IA elle assure derrière. Deux fois, c'est bon. Voilà. Allez, on me fonce dans le tas. Bouclier lâche, continuez.
Viens là, petit Grunt, j'ai une surprise pour toi. De la purée de Grunt ce soir. Et en plus, il se met. Le pauvre. Ah non, c'est qu'il est pas mort, il est encore vivant. Il veut pas mourir. Ça y est, là, il est mort. De là, on pourra voir le puits de gravité. Ok, ça marche. On va par là alors. Allez, à fond les ballons. Comme par hasard, je peux plus passer avec le tank. Aïe aïe aïe. Il manque un passage et ben on peut plus passer avec les véhicules, génial. Bon, bah ils veulent qu'on y aille à pied, bon on va y aller à pied, c'est pas grave hein. Oh la taille de cet engin. Infinity, on est au puits de gravité. Indiquez-nous cette putain de cible pour qu'on se barre. Compris, Major, verrouillez la cible. Ouais, je fais comment? Ah d'accord, le marqueur est là. Je suis censé verrouiller quoi? Ça? Parce qu'il est pas capable de le viser tout seul. Hein. Ouais, c'est moi qui pilote le missile. Ouh. L'Infinity ne pourra pas tenir. Il est trop beau ce vaisseau. Pas encore. Il ne s'agit plus de nous, ni même de ce vaisseau maintenant. Capitaine, nous avons vu de quoi le Didacte est capable. Si nous le laissons partir, l'humanité est en danger. Écoutez, je sais ce que vous croyez avoir. Croyez ? Sauf votre respect, je sais ce que j'ai vu. Et sauf votre respect, soldat. Je ne vais pas risquer de mettre mon vaisseau en péril à cause des hallucinations d'un Spartan vieillissant et d'une IA dysfonctionnelle. Mais s'il avait raison... D'un Spartan vieillissant. Navigateur, dès que nous serons parés, je veux un cap en direction de la station Carinae. Préparez aussi une balise d'avertissement. Je vous... J'interdis de quitter cette planète! Cortana. Je voulais pas. Je voulais pas dire ça. Commandant Lasky. Conformément à l'article 55 du règlement UNSC 12-145-72, je vous ordonne de déconnecter la mémoire de cette IA et de la placer au rebut. Pas ça, je vous en prie. Non, pas ça. Commandant, déconnectez-la tout de suite. Non. Je veux pas. Donnez-moi cette IA. Il faut arrêter le Didacte. Si vous ne faites rien, j'irai. Je vous ordonne de me confier cette IA. Non, chef. Commandant. Arrêtez cet homme! Capitaine! Arrêtez-le! Capitaine! Dites à la Terre qu'ils doivent se préparer. Cortana et moi ferons ce que nous pourrons ici.